А, в регионах Каибы еще есть, да? В регионах Каибы, да. После того, как избиратель проходит идентификацию там и выбирает голосование электронно. Они же говорят, что участки в целом знают. Там парни показали и рассказали. Trop cher. Ну это приблизительно. Ce n'est pas pour nous, donc. Нам не подходит. Но правительство Москвы любит свои технологии передавать дружественным странам. Notre gouvernement aime donner les technologies que nous avons aux pays qui sont nos amis. Это мы мешаем. D'accord. En tout cas, nous souhaitons qu'un jour officiel, nous puissions aussi accéder à ce genre de processus électoral, ce mécanisme. Comme ça, j'ajouterais ceci que. Il faudrait peut-être au niveau de l'Afrique, par exemple, au niveau des BRICS, faire donc beaucoup de publicité autour donc de ce mécanisme de vote, en parler, expliquer, et pour que finalement tout le monde puisse donc accéder à ce genre donc de mécanisme de vote. Il faut en parler beaucoup, moi c'est pour la première fois que je le vois, mais je le dirai chez moi. Merci beaucoup. С удовольствием поможем. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les journalistes, de me poser la question. Oui, en effet, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de venir ici dans ce bureau de vote pour voir effectivement comment les choses se déroulent. Je suis effectivement très impressionné parce que les inquiétudes que j'avais avant d'arriver ici donc sont levées. Autrement dit, on me disait qu'il y avait la possibilité de voter électroniquement ou bien de voter par papier. Alors moi, je me disais, mais finalement, par où se faisait le choix? J'ai vu effectivement que après l'identification, facile, on fait le choix de soit de s'aligner dans la ligne électronique ou bien de prendre la voie du papier, donc de papier de vote classique. Et quand je me suis fait expliquer ce qui se passe électroniquement, moi j'ai vu, je vous félicite, j'ai vu que vous avez réussi. Moi, j'avais une question, d'abord une question de temps, combien de temps ça prend, et donc que la personne enclenche le mécanisme donc d'identification. De moi, j'ai vu que ça prend très peu de temps, et surtout que on me dit qu'on peut le faire donc soit chez soi sur téléphone, ou bien qu'on peut se présenter au bureau de vote pour le faire donc électroniquement. Et là, j'ai assisté quelqu'un qui faisait son choix. J'ai vu que ça n'a pas pris 2 minutes. Moi, je dis que vous avez réalisé une grande économie de temps et d'énergie. Mais aussi, il y a la question que je me posais sur l'assurance, la sécurité. Et on m'a expliqué que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune plainte en matière de sécurisation de ce procédé électronique, ce qui est encore une fois une très grande réussite, puisque c'est ça qui fait peur. Et je me suis même dit, mais aux États-Unis, qu'est-ce qui leur manque pour réaliser de telles... On m'a expliqué là que c'est une autre chose, mais que ça n'a rien à voir avec le vrai processus donc démocratique, électoral. Moi, je dis félicitations, puisque il ne peut pas y avoir un moyen de piratage. C'est ça qui est en fait
qui peut rendre donc le vote transparent, qui est le vote qui est accepté par tous, parce qu'il n'y a pas moyen de réclamer, il n'y a pas moyen d'occulter, hein, le processus. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà.